te suis à l'aventure. Je te suis, moi. Regarde. Les pensées. Toutes les bêtises. Attends. Quoi? T'abuses. Il y a plein de variétés trop belles. Celle-ci, c'est un peu moins. Elle est belle, non? On va refaire un choix. Je te jure. Ah, il y a les noirs qu'on a choisis là. Ah, regarde celle-ci aussi. Je te jure, si j'en ai pas assez, on va revenir. Non, non. Oh là là. Regarde celle-ci. L'arrière, c'est rose. Elle est belle, non? Et celle-ci, c'est orangé devant. C'est une variegata. Ouais, c'est une variegata jaune-orangé. Ah, oh, celle-ci, elle est jolie. Il y a la tigrée que t'as pris. Elle est magnifique, celle-là. Je vais la racheter encore. Tu vas la reprendre encore? Je vais toutes les prendre. Regarde, celle-ci aussi. Ah non. En fait, j'ai envie de toutes les montrer, en fait. Trop belle. C'est pour ça que je voulais venir ici. T'as vu tout le choix de... Mmh, je vois ça. Oh là là. Je tombe. Elle est vraiment belle aussi. Faut que je te sorte de là, sinon tu vas tout acheter. Oui, sinon je vais continuer. Ah ouais. Faut montrer les grandes potées. Les grandes potées à 18 euros. Elles sont énormes. Mais... Côté de ma main, magnifique. Grande potée comme ça. Avec les cœurs, là. Un petit gris. Magnifique. Ah oui. Celui est super joli. On va le faire en gros l'année prochaine. Ah oui, sublime. On a ce petit rose et puis on a toute cette gamme, c'est des nouveaux là, ceux-là. Ok. Plutôt en pot carré quoi. Pour le moment, oui, parce que là c'est des nouveautés, c'est des petits qu'on fait en promo et on teste certaines variétés. Okay. On les teste pour savoir, comme si nouveaux, ils sont nouveaux, mm-hmm. On sait pas si ça vaut, donc on va les tester pour l'année prochaine. Mm-hmm. Et là il y a des variétés qu'on va garder, vous voyez. Ça aussi c'est un nouveau rouge. Oh, bah, il est incroyable. Hein. En tout cas, la caméra, ils sont encore plus rouges, mais ouais, c'est ouais. Plus bordeaux, quoi. C'est beaucoup plus foncé. C'est joli, hein. Ça ouais. Fait des reflets.
Magnifique. Un peu velours. Incroyable. Ça, c'est un petit nouveau rouge aussi. Oui. Il y a un double. C'est des pétales doubles. Ouais. Ça, c'est un petit nouveau si on l'a pas en haut. Ça s'appelle Zoli. Celui-ci. Il est un peu plus foncé. Il est un petit peu plus. Alors, le blanc, normalement, il est plus détaillé, mais on le voit pas bien. Il est un peu plus. Ouais, mais ça fait un contraste. Ouais, c'est joli ça. Un beau contraste. Ça, c'est un petit nouveau. Petite nouvelle variété. Voilà, et alors là, vous allez. On a fait quand même pas mal de trous. Hein. Ah. Ok. Ça, oh là là. Oh là là. Oh, le paradis. Waouh. Oui, bah les petites, ouais. Oh là là. Magnifique. Sublime. Oh là là, celle-ci on l'a pas. Il y a pas là-haut celle-ci. Je vais vous la prendre, vous allez. Oh bah ça c'est très gentil. Incroyable. C'est des beaux tapis, hein. Oh, ça c'est magnifique. Ouais, là, ouais, je la vois. Ouais. Magnifique. Ah ouais, là, si je m'écouterais là. Les toutes petites, c'est celles qui sont nées là cette année. Ah oui, trop mignon. Oui, il y en a une toute petite. Trop bien. Ah là, elle est grosse celle-ci là. Et il leur faut pas une température. Non, c'est juste comme ça. Dans les lacs, je crois, dans les lacs. Ah ouais. J'aurais jamais pensé. Bah, elles sont bien. Il faut éviter que ce soit trop chaude, mais bon, en oxygène, il y a de l'oxygène, donc. Faut oxygéner, c'est bon. Et puis là, il y a 2 mètres de profondeur, hein, donc. Ah oui. Il y a de l'eau. Et de quoi faire. C'est pour ça, même en hiver, si je gèle, c'est pas très grave, parce qu'il y a de la profondeur. Ok. Ouais, donc elles vont au fond, quoi. Elles vont au fond, en hiver, on y repasse pas le bouchon. Oh, lui, c'est la régalade, lui. Hein. Oh, lui, c'est la régalade. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir en ce début de vidéo, j'ai découvert une horticulture, mais incroyable, magnifique, avec des personnes incroyables. Je voulais absolument trouver des pensées de plein de variétés différentes et de couleurs différentes, ce que je n'ai pas trouvé dans les grandes jardineries. Et je savais que j'allais trouver des magnifiques pensées dans une horticulture. Si vous recherchez des trucs spécifiques comme des pensées, des chrysanthèmes en automne, par exemple en printemps, des fleurs spécifiques telles que les surfignas, toutes sortes de plantes fleuries, vous allez dans une horticulture et là vous allez avoir le choix, mais de fou furieux. Donc moi à la base, j'y allais pour chercher des pensées. Vous voyez, j'ai plein de couleurs différentes, je vais vous les montrer une par une. J'ai demandé à l'achat, voilà, au moment de l'achat, si je pouvais filmer leur horticulture, parce que c'était vraiment magnifique, c'était vraiment beau. Et ils ont accepté. Ils m'ont aussi montré les backstage que vous voyez aussi dans la vidéo d'avant. Super, c'est des gens incroyables, c'est des gens super gentils. Et ils ont voulu prendre mon nom de chaîne pour qu'ils puissent voir aussi la vidéo. D'ailleurs, je tenais énormément à vous remercier. Vraiment, du fond du cœur, vous êtes des gens super gentils. Et vous méritez d'avoir de la lumière sur vous pour votre travail. Ils m'ont offert 3 petites pensées comme ça.
Alors à la base, je devais les payer, mais comme c'était... Enfin, il y en avait une qui était vraiment offerte, donc c'était celle-ci. Vraiment sublime, j'adore. Le cœur jaune comme ça, avec le tour Bordeaux, magnifique, incroyable. Et les deux autres, je devais les payer, mais comme la carte c'était à 5 euros minimum, ils m'ont dit, allez, vas-y, c'est bon, prends. C'est super gentil. Donc j'ai pris celle-ci aussi. Donc celle-ci, je les ai pris dans les backstage, à l'arrière de la boutique, dans les surplus dépensés. Avec le cœur jaune comme ça, oh là là, c'est une de mes fleurs préférées. En vraiment, en plante d'extérieur, c'est vraiment l'une de mes plantes préférées. Je suis pas droite, ça veut pas. J'ai pris celle-ci aussi. Bleu avec le cœur jaune et puis qui part en jaune très clair autour. Elle sent divinement bon. Les pensées sentent divinement bon. Coucou Bégonia, ça faisait longtemps que vous l'aviez pas vue. J'ai pris des pensées noires. Mon Dieu, la beauté de ces pensées. Elles sentent pas spécialement, mais franchement, oh, la beauté de cette pensée, j'ai craqué direct. Je l'ai vue, je l'ai pris. Voilà, c'est tout en fait. C'est vraiment la première pensée que j'ai prise. Et puis je trouve que c'est celle qui me représente le plus. Hein. Je porte tout le temps les mêmes vêtements et c'est du noir. Voilà, un point c'est tout. Il y a celle-ci aussi qui était vraiment toute mignonne, toute douce. Incroyable. Violacée avec du jaune et du blanc. Pour rester un peu dans le noir, j'ai pris ces pensées blanc et le tour noir. Avec des petites touches violacées. Oh là là, magnifique. Théo a choisi cette pensée tigrée comme ça. Incroyable. N'est-elle pas incroyable? C'est super... celle-ci, elle sente. Elle sente super bon. C'est super original. Genre, j'en avais jamais vu. Comme des pensées noires, j'en avais déjà entendu parler, j'en avais déjà vu sur les réseaux. Mais en vrai, j'en avais jamais vu. Les basiques, elles sentent super bon. Celle-ci aussi. Je trouve ça, c'est l'une des basiques, mais que j'adore. Les bleutés comme ça, à cœur pas noir, c'est un violacé très foncé. On reste dans la même catégorie de couleurs, en plus petite. Ça fait un peu un aspect glacé, un peu hivernal. J'aime trop. Ensuite, nous arrivons aux grosses, donc aux grosses fleurs. En fait, c'est surtout les grosses fleurs qui sentent. Les grosses pensées comme ça. Donc du violacé jaune. Oh, celui-ci, je l'ai trouvé hyper original aussi. C'est un rose rouge comme ça. Avec un dégradé de blanc. Mais en fait, c'est pas blanc, c'est vraiment un rose très 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 clair. Et elle a une petite fleur juste à côté, un peu plus foncée. Oh, celle-ci, c'est l'une de mes préférées aussi. Un bleu nuit. Mais vraiment le bleu nuit. Regardez. Ça ressort beaucoup plus clair à la caméra, heureusement, comme ça vous voyez bien. Mais en vrai, ça rend beaucoup plus foncé. Magnifique. Ça me fait penser un peu à une prime vert. Mais je déteste les primes vertes. Donc non merci. Je préfère prendre des pensées. Là, il a fait un petit peu chaud. Du coup, voilà, je les ai pas arrosées pendant ce temps. Mais maintenant, aujourd'hui, on va les planter ensemble. Oh là là. Oh là. Je suis tellement contente. J'ai enfin trouvé mes pensées que je voulais. Vraiment, j'ai fait toutes les jardineries de Clermont-Ferrand. Voilà. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire à ça. À part des gestes. Parce que c'est vraiment... Il n'y avait pas de choix. Voilà, c'était pas comme je voulais à l'unité. Comme ça que je puisse choisir mes pensées. Et là, franchement... Franchement... J'aurais pas pu rêver mieux, vraiment. Voilà. Ok, là c'est parfait. Oh, vous voyez super bien comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, bien sûr, j'ai pas réfléchi avant de le faire. Moi, vraiment, je fais ça à la wall again. Donc là, je verrai bien une grosse au milieu. Là, ça fait beaucoup de violacé.
Moi, j'ai envie de trancher les couleurs. Là. J'ai pas envie de faire des trucs homogènes. Là, j'ai envie de mélanger des trucs. J'ai envie de faire des trucs un peu folichon, quoi. Ou alors. Ça a l'air pas mal comme ça, là. On reste un peu dans les mêmes tons avec. En fait, on fait un camailleux. On fait un camailleux ici. Allez, je fais ça ici. Tac. Ensuite, au milieu, il va y avoir la jacinthe qui va sortir. Pas que j'oublie. On va faire un truc comme ça. C'est pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. J'aime bien. Donc au milieu, je laisse pour que la jacinthe puisse sortir là, comme ça. Ensuite, si je faisais un truc comme ça. Alors vraiment, on reste dans foncé, et je fais comme ça. Et celui-là, je le garde pour celui-là. Ah ouais, c'est pas mal comme ça. Là, je suis en train de parler toute seule. Hein. Vraiment, là, je parle toute seule. Vous voyez? Comme ça rend. Hop là, on va faire ça comme ça. Celui-ci. Et là-bas, j'en mets 3. Et si je mets 3 grosses, sinon on fait ça. Hein. Voilà, je fais ça comme ça. Comme ça, là-bas, j'en mets qu'une. Comme ça, se développe toute seule. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Hein. Donc ici, il y a un peu de mélange. Il y a un bleuté avec le rose et le jaune. En vrai, ça va être sympa, ça aussi. Hein. Et celui-ci, voilà, je le laisse tout seul dans son petit pot. Et on va rempoter tout ça. Donc ça, c'est bien parce que je pourrais le rapporter. Voilà. Je commençais déjà par celui-ci. Donc, on appuie bien autour pour bien débloquer les racines des parois du pot, comme ça. D'ailleurs, là, il y a des belles racines. Et on tire. Et on tire. On tire délicatement, on force pas. Voilà. Vous voyez? Et ça, c'est des belles racines, ça. Donc on va le mettre comme ça. Vu que les fleurs vont vers l'extérieur, on le met vers l'extérieur. On fait pareil. Voilà, magnifique. Magnifique. Donc là, pareil, j'en ai mis que 3 parce qu'ils vont bien s'élargir, ils vont bien se développer. Donc comme ça, ils auront tous leur petite place. Les pensées, ça tient jusqu'à qu'il fasse chaud. Hein. Donc presque mars-avril. Hein. Enfin après, tout dépend de du temps, hein, comme d'hab. D'habitude, hein, ça. Tout dépend de l'année, comment ça fonctionne. Ah oui? Ah ben regardez. D'ailleurs, il y a écrit sur leur peau. Pas trop marrant ça. Ils ont personnalisé leur peau. Croque-plante, horticulteur et producteur. Voilà. Au cas où, si vous voulez aller sur place et vous avez le numéro de téléphone, il y a tout dessus. Donc c'est à côté de Clermont-Ferrand. C'est dans les montagnes, en hauteur. Si on a qui connaissent. Ah, c'est rare.
terrible. Il me manque juste cette partie-là. J'en aurais pas assez. Même en raclant le sol, j'en aurais pas assez.